Pour créer un channel YouTube sur téléphone ou bien sur laptop ou bien facile. Ou à prendre téléphone ou à monter sur Chrome ou à taper youtube.com. Là où fin écrit ça, ou à prendre les marchés, la monter comme ça. Ou à taper sur trois petits points ça qui en l'air. Ou à descendre en bas ou à prendre côté marqué version ordinateur. Ou à cliquer sur petit carré. OK, l'apparaît comme ça. On y a là on va cliquer sur côté gain photo profil ou et vous appliquez sur créer une chaîne. Là vous cliquez sur créer une chaîne, l'apparaît comme ça. Et puis vous appliquez sur photo profil ou encore, vous appliquez sur YouTube Studio. Et puis vous attendez les marchés. Donc là monter comme ça. Et puis vous regardez en bas net à gauche. Vous avez un petit symbole paramètres là, on va cliquer sur lui. Cliquez sur petit symbole paramètres là. Et puis on va besoin de paramètres yo là. Ouais, paramètres généraux. Là, il bon des visas, on capable choisir des visas, à dire à quel agent pays on va créer chaîne dans sur lui à quel agent servi. Donc si on va choisir États-Unis, donc on conseille au prendre dollars américains. OK. Et on finit on va cliquer sur chaîne. Là, on va pouvoir les marquer pays de résidence. On va cliquer sur lui, on va choisir pays où il est. On ne peut pas choisir Haïti parce que YouTube a monétisé en Haïti. Donc, si vous êtes Haïti, je conseille de choisir États-Unis. Mais si vous êtes dans l'autre pays, comme Saint-Domingue, Chili, Brésil, je conseille de prendre un pays où il est. Après ça, vous êtes capable d'avancer. Là on fait une choisie pays de résidence, on va regarder en bas, on va pouvoir côté marqué mot clé. Mot clé c'est tout mot qui a rapport ensemble avec chaîne ou à créer. Là on finit on va cliquer sur paramètres avancés. On va faire un petit défilé en bas. On va regarder côté qui marqué nombre d'abonnés. Nombre d'abonnés ou elle côté. Ça veut dire là où elle côté, on monde cap app ka wè combien abonnés ou gain sur chaîne là. Mais si ou décocher, monde pap ka wè combien abonnés ou gain sur chaîne là. Donc c'est ou même qui connaît comment on va mettre. Quand y a wal cliquer sur accès aux fonctionnalités. On regarde premier a déjà activé automatiquement. Donc deuxième on va cliquer sur lui et puis on va cliquer valider votre numéro de téléphone. Donc c'est important parce que si vous va faire ça, on va pas mettre une vidéo qui plus que 15 minutes sur chaîne YouTube là. Donc vous obligé valider. On va pas ajouter un numéro de téléphone et puis on valider. Et au fini on va cliquer sur paramètres de mise en ligne par défaut. Site là ou mettre le comme ça. Mais dans la description, si vous avez un bagage ou un vieux écrit qui pour paraître automatiquement en bas chaque vidéo postée, vous mettez le là. Quand vous allez mettre la description, vous allez faire descendre en bas ou choisir une visibilité par défaut pour les poster en vidéo pour le paraître soit public, privé ou bien non répertorié. Vous allez faire ça, vous allez descendre en bas ou prendre tag. Tag c'est presque même avec mot-clé. Vous allez mettre tag qui est capable de faire rapport ensemble avec vidéo pour poster. Donc, pour les mettre en vidéo, vous ne pouvez pas prendre temps à écrire tout tag net. Après ça, vous pouvez cliquer sur paramètres avancés. Paramètres avancés, vous pouvez capable choisir qui licence et si c'est YouTube standard ou bien si c'est Creative Commons. Après ça, vous pouvez capable choisir une langue. Donc, si c'est français, anglais, vous pouvez capable choisir une langue pour un sous-titre tout, pour description. Là, vous finissez faire tout ça, vous pouvez cliquer sur enregistrer. C'est là où vous cliquez sur enregistrer tout bas ça vous pour enregistrer. Après ça, quand y a là, vous regardez à gauche, vous pouvez petit symbole ça et qui représente personnalisation, vous cliquez sur lui, personnalisation. Après ça, la mène là. Vous choisir ça qui au milieu branding. Vous cliquez sur branding, là fin cliquez sur lui, vous avez trois options: photo, bannière et puis filigrane. Photo profil ou et puis bannière c'est ça qui a trouvé le des photo profil ou et puis filigrane c'est image qui apparaît dans la vidéo. Donc trois bagages ça est important pour mettre météo. Là on fait météo, on va cliquer sur information générale. Information générale on va prendre description. Description c'est un bref résumé de channel ou sur qui ça channel ou lui-même lui va le baser. Donc on écrire un bref résumé, après ça n'importe monde capable visiter. Après ça gain ul là, ul là le gain premier centaine abonnés à, il va le boyon ul personnalisé. Mais tout on pour gain 100 abonnés, ou gain même ul là.
Après ça, on capable mettre une adresse email tout si on veut contacter vous, on capable contacter. Et puis ajouter un lien, on capable ajouter un TikTok, on capable ajouter n'importe lien, on capable trouver qui est important. Là on finit, on cliquer sur publier et puis tout bas ça on enregistre. On y a un point ordinateur. On va cliquer sur un boisson dans ordinateur là et puis on va cliquer sur youtube.com. On va cliquer sur enter. La voie dans page d'accueil ça. Et vous va cliquer sur photo profil ou on cliquer sur créer une chaîne. Là on finit cliquer sur lui à voie là. Là on capable changer nom, on capable mettre nom chaîne nom comme ça tout si c'est même non ça va quitter quitter le créer cliquer sur créer une chaîne. Et puis on va tomber là, on va cliquer sur photo profil ou encore et vous va cliquer sur YouTube Studio. Cliquez sur continuer. Là, c'est qu'on y a on va le modifier. On va aller à gauche là, en bas on va cliquer sur paramètres. OK, ça c'est paramètres là. Ou capable faire modification de visa si vous voulez. Si c'est à US dollar observé, on va cliquer quitter. On va cliquer sur chaîne, donc on va choisir pays résidence ou un. On conseille au point États-Unis si on vit en Haïti. Mais si vous vivez dans l'autre pays qui est YouTube monétisé, choisissez pays A. Là, vous faites cliquer sur pays résidence 1. La montée, vous avez gardé en bas pour un mot-clé. Vous avez ajouté mot-clé qui a rapport ensemble avec Chanel 1. Là, vous finissez. Là, ajouter mot-clé, vous avez cliqué sur paramètres avancés. Dans les paramètres avancés, vous avez dit si vous avez affiché le nombre d'abonnés ou bien si vous n'avez pas affiché. Si vous quittez le côté, ça veut dire pas affiché. Si vous décochez le tout, lio pas affiché. Après ça, on va cliquer sur accès aux fonctionnalités. Accès aux fonctionnalités, il y a deux options. Première, activer par défaut. Et puis deuxième, on va cliquer sur li. On va valider numéro de téléphone. Li important parce que si vous pas faire ça, on pas mettre vidéo qui gagne plus que 15 minutes sur channel ou. Donc on va valider le numéro de téléphone, on va mettre toute information normalement. Après ça, on va cliquer sur paramètres de mise en ligne par défaut. Là, titre là, on va quitter le vide. Mais dans la description, si vous avez besoin qui pour afficher dans la description vidéo, yo, chaque fois que vous postez une vidéo, donc on va mettre là. Après ça, on va afficher normalement. Après ça, on va cliquer sur visibilité pour choisir une visibilité par défaut. Là, on va cliquer sur tag. Tag là, c'est presque même avec mot-clé. On va ajouter tag qui a un rapport ensemble avec vidéo. Yo. Ta glace yo qui pour le permettre yon moun capable jwenn ou plus facile et la faire une recherche sur YouTube ou bien sur Google. Alors ça là vous finir à cliquer sur enregistrer. Cliquer sur enregistrer là paraît comme ça. Ou va regarder à gauche, ou va fonti descendre, ou va cliquer sur personnalisation pour capable enregistrer branding non, pour capable en mettre photo profil, bannière, filigrane. Donc là, ou après photo, ou va cliquer sur importer. Pour mettre un photo profil ou faire un bannière ou cliquer sur importer pour mettre bannière. Bannière c'est ça qui trouve le dernier photo profil ou et puis en bas pour cliquer sur filigrane ou cliquer sur importer pour mettre une petite image sur vidéo yo, si vous voulez. Pour faire tout ça ou cliquer sur information générale pour capable mettre une description. Description c'est un bref résumé des channel ou qui sont pour le porter pour auditeur sur channel ou pourrait faire un résumé là. C'est là même là tout jeune une chaîne là. C'est là tout jeune côté capable ajouter lien dans channel ou. C'est là tout gain côté capable ajouter une adresse email si on monde besoin contacter ou pour le capable contacter. Pour fin faire toute bagage ça ou regarder en l'air à droite ou après un bouton qui marqué publier. Ou cliquer sur lui donc ça pour faire toute information enregistrée donc channel ou il fin paramétrer.